Voilà, juste pour ne pas oublier, je rappelle que nous sommes avec Madame Thalus Martine, qui est présidente de la MAE, correspondante régionale de l'ESPER 97.1, ça concerne les enseignants, et vice-présidente de la SL 97.1, directrice d'école également, de l'école de Pont-Biré à Saint-François. Le numéro de téléphone de la MAE, 05 90 83 40 46. Et puis le site internet mae.fr. mae.fr. Nous avons vu l'assurance maternelle des tout-petits, l'assurance stress scolaire, l'assurance étudiant, assurance matérielle scolaire. Nous avons vu avec elle également l'assurance stage médicaux. Nous avons vu assurance logement étudiant et assurance famille. Maintenant, elle va nous parler de la prévention. Oui, alors nous avons un volet prévention, justement, puisque la MAE, nous avons la mutuelle MAE Assurance et nous avons une association MAE Solidarité qui a un agrément avec l'éducation nationale. Ça nous permet d'intervenir dans les établissements scolaires. Très bien, ça c'est pas mal. Ça. Oui, nous avons une chargée de prévention. Bon, là nous sommes en période de COVID, mais hors COVID, elle intervient dans les établissements. Moi-même, je fais des interventions. Voilà, pour à titre préventif, hein, sur, on a plusieurs sujets. On a la sécurité domestique, la sécurité routière, les gestes de premier secours, les écrans. Cette année, on va axer sur les écrans. On a la semaine de prévention, troisième semaine de janvier, où là, les établissements scolaires s'inscrivent. Ça, c'est important, là, les écrans. Voilà. On leur donne du matériel, on leur prête aussi du matériel. Et donc, ils peuvent, les enseignants peuvent travailler avec les élèves. Ils ont des fiches pédagogiques prêtes à l'emploi. Génial. Toujours avec la MAE que vous connaissez depuis 80 et quelques années. Depuis non, la MAE qui a couvert tout Simon Guadeloupe, qui a couvert en partie toute la Caraïbe. Il y a énormément d'adhérents à cette association qui est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas excessif. Vos contrats sont bien définis, c'est-à-dire... Quand on voit le contrat MAE, on met à côté un autre contrat. Moi, j'ai eu à le faire. Je ne sais pas si vous l'avez fait de l'autre côté, mais c'est simple. Oui. C'est-à-dire, on entre directement dans l'essentiel et on comprend ce qui est écrit. Ni des contrats qui disent tellement de formules, tellement d'habitants. On va dire, bon, OK, vous parlez des phrases à d'accord, vous pouvez imaginer. Vous parlez des premières phrases à OK, mais finalement, vous parlez toutes. Donc, c'est accessible, c'est clair, c'est précis, et comme je le dis, vous pouvez y aller tout le monde là-dedans. Mais moi aussi, quand on t'a dit tout à l'heure là, si mon nom était à la MAE. Et oui, et moi-même pour tout le même fait, la MAE n'a jamais existé, et Madame Thalus non plus. Donc, on peut continuer à accorder confiance à cette assurance et ne pas se dire comme certains qui n'ont rien compris à ce qu'ils avaient vu sur leur contrat, mais dingue arrivé, parce que moi aussi, j'ai des contrats que je ne prends pas le temps de lire, parce que c'est autre chose. Mais quand on ne prend pas le temps de lire, on ne peut pas déchirer, comme disait ma grand-mère, déchirer charité et orbiter, parce qu'on ne prend pas le temps connaître lire ou pas prendre le temps lire. Alors, maintenant, nous allons voir cette assurance duo. J'ai vu cela et je me suis dit, solo duo, c'est quoi? Alors, l'assurance solo, c'est une seule personne. Duo, c'est un couple. D'accord, je me suis dit. Voilà, donc en cas d'accident, ben, le couple est couvert. Si, d'accord, par exemple, il ne peut plus faire le ménage, la MAE peut prendre en charge l'aide ménagère. Donc, on a ce contrat qui est bien pour les personnes seules ou en couple. Même les jeunes qui se lancent maintenant, qui prennent une maison ensemble, ou alors qui se disent qu'il va falloir qu'on ait une petite assurance, solo duo. Et le contrat est aisé, c'est un contrat qui est accessible, c'est un contrat qui... Oui. Ça offre les mêmes particularités d'une assurance. Oui. D'accord. Là aussi, c'est pas mal. Et nous avons l'option complément. Oui, l'option complément parent, oui. Complément. Ce sont des garanties supplémentaires. Donc, si dans solo duo, il y a un enfant qui arrive. Alors là, non, on va passer à ma famille, là, à ce moment-là. Alors, le complément, c'est quoi, alors? Le complément, c'est toujours sans enfant. Sans enfant et la voiture en plus, ou je ne sais pas. Non, pas les voitures, les garanties des parents en cas d'accident. Que les parents. Très bien. Alors, nous avons l'assurance mobile, c'est quoi, l'assurance? Alors, l'assurance mobile plus, c'est pour le matériel informatique de toute la famille. Quel que soit ce matériel, les tablettes, les téléphones, les montres connectées, les appareils photo, tout le matériel informatique est couvert avec... Tout ce qui a été. Voilà. Dans la maison, extérieur de la maison. Voilà. Un seul contrat pour toute la famille. Voilà. S'il y a 5 personnes, c'est un seul contrat? C'est un seul contrat. Pas vrai. Oui, pour toute la famille. Génial.
tout le matériel, carrément. Oui. Mm-hmm. Tout le matériel connecté, en fait. Oui, tout le matériel connecté. C'est génial. Mm-hmm. Alors, cette assurance-là s'appelle l'assurance mobile. Mobile Plus. Mobile Plus. Casovelet des Plis, hein? Qu'est-ce qu'on voudrait de plus? Non, mais c'est magnifique, ça. Alors, c'est une famille, un couple, tout matériel AUD. Et c'est mon famille-là, tout matériel AUD. Mm-hmm. Et un seul montant, un seul contrat. Oui. D'accord. Mm-hmm. Et vous avez aussi l'assurance protection juridique. Oui, donc là, c'est si la personne veut, en cas d'accident, toujours, hein, si elle a un recours juridique à faire, nous lui donnons les moyens de se défendre, nous lui apportons aussi des conseils. Et il y a un site, grâce à notre site, elle a une documentation aussi, elle a accès à une documentation. D'accord. Alors, je voulais voir avec vous, notez bien, Tala, c'était l'assurance juridique. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Mm-hmm. Si vous avez une formule, une démarche à faire au niveau de la justice, oui. Où vous avez besoin de conseils juridiquement parlant, vous avez une assurance qui vient mettre la main dans ça. Hein. Mm-hmm. Alors, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez toujours l'appeler au 0590 83 40 46. 0590 83 40 46. Et le site vous donne des informations. Tout ce que nous avons dit là, vous avez tout ça sur le site. Alors, oui, je dois rappeler que vous êtes dans l'émission Raphaël est là, hein, n'est-ce pas? Et je dois rappeler aussi que vous êtes sur ETV et que vous avez le replay sur etv.gp. Et vous avez aussi, la possibilité de voir cette émission-là sur Alizé Télévision. Donc, nous vous donnons la possibilité de suivre ce que nous faisons partout. Internet, avec des fenêtres YouTube, avec la Box SFR, la chaîne numéro 5, et avec ADZ Télévision sur canal satellite. Alors maintenant, nous allons voir avec vous, Madame Talus Martine, l'assurance protection, on a vu, l'assurance handicap. Alors, l'assurance handicap, c'est pour les enfants qui ne sont pas scolarisés. Mm-hmm. Donc, ils ont une assurance spéciale. Qui les protège en fait. À la maison? Oui, à la maison. Mmh. Et sur le trajet? Sur, oui. Sur le ils sont, oui, ils sont protégés. Vous n'avez pas acheté des fauteuils, vous n'avez pas dans ce genre de choses? Non, on intervient toujours en cas d'accident. Donc. Voilà. Non, mais comme je sais qu'il y a 250 enfants qui sont aidés, qui sont aidés, ces enfants-là peuvent faire partie de ceux que vous aidez quand même. S'ils font partie de l'association, oui. Mmh. Alors, pour faire partie de l'association, il faut quoi? Alors, je ne sais pas. Ah, d'accord. Bon, ce n'est pas une question. Parce qu'en fait, il nous fallait. On a cherché justement comment aider les enfants. Il paraissait plus simple de passer par une association qui connaît déjà ses adhérents et qui les. Alors, vous lancez un appel, quoi? Non, pour l'instant, on fonctionne avec eux. Ça se passe très bien. Donc, on continue comme ça. Donc, vous allez continuer comme ça. Alors, cette assurance décès, tout le monde en parle. Mm-hmm. Mais jusqu'où ça va, comment ça fonctionne? Alors, nous avons deux garanties. L'assurance décès en cas d'accident et l'assurance décès en cas d'accident ou de maladie. Que décès accidentel. Accidentel ou décès accidentel et maladie. Et maladie. Décès accidentel et maladie. Mm-hmm. Donc, la personne était malade, mais en même temps, il y a eu un accident. On a la formule, on a la possibilité, voilà, des deux. D'accord. Donc, cette assurance décès fonctionne comme toute assurance décès chez XYZ. Hein, voilà, sur justificatif. Voilà. Donc, il y a les obsèques qui sont ouverts. Oui. Vous occupez aussi des cercueils, excusez-moi, c'est un mot que vous ne voulez pas entendre en ce moment, mais bon, il faut qu'on puisse poser la question, vous vous occupez aussi de ça? Oui, en fait, oui, quand la personne fait sa déclaration, effectivement, on lui donne, tous ses frais sont couverts. Hein. Bon, tout ce qui est attenant, en tout cas, au décès. Accidentel et ou maladie. On a les deux formules. Vous avez les deux formules. Ah, la MAE. Alors, quand on voit la MAE, on pense que c'est juste de l'assurance scolaire, mais il faut prendre le temps de chercher et de savoir que ce n'est pas juste de l'assurance scolaire. Vous avez toute une panel d'assurances que vous propose la MAE. Assurance extrascolaire, assurance des tout-petits, depuis la crèche jusqu'à l'école. Mm-hmm. Vous avez aussi l'assurance étudiant, l'assurance matérielle et matériel scolaire qu'on lui prêterait dans son établissement, un ordinateur, une tablette, etc. Si ça casse, si ça pète, la MAE rembourse à une certaine hauteur. Mais on n'a pas dit que c'était à 100%. Non. On dit que c'est à une certaine hauteur. Comme partout. Oui. Alors, assurance matérielle scolaire, disais-je. Assurance stage médicaux, s'il est en stage et qu'il a pété un matériel qu'on lui aurait mis à disposition pour qu'il fasse son stage ou qu'il apprenne à manipuler, il a cassé ou il a un truc. Vous aussi, là, la MAE intervient
en partie pour le remboursement. Si on lui demande de rembourser, il fait appel à son assurance. Ça, ce sont des petits bugs que j'ai par rapport au fait qu'il faut boire quand on parle, hein, parce que sinon ça coince. Ça fait deux fois cette semaine. Après, je tombe et vous êtes témoin. Alors, ensuite, il y a chez la MAE l'assurance logement étudiant. On a vu que si là aussi il y a un souci, la MAE peut, s'il redouble son année, peut prendre en charge toute la prochaine année, l'année suivante, et pas forcément tout de suite, une partie peut-être. Oui, son loyer peut être pris en charge. Ou alors, en partie, au total. Oui, ça dépendra de la situation de ce jeune. Oui. Vous avez l'assurance famille plus l'assurance solo duo, comme nous avons vu, l'option complément qui est dedans. Elle nous expliquait quand même cette option. L'assurance mobile, là, ça, c'est très, très intéressant parce qu'elle nous dit que toute la famille peut avoir une assurance, peut assurer son matériel high-tech connecté, 6 sur 5, 6, 7, 8, 9. Toute cette famille peut avoir une même et seule assurance pour assurer tous les appareils connectés de la famille. L'assurance protection juridique, vous avez un petit litige, quelque chose, ils sont toujours là avec vous. Est-ce que vous payez les frais d'avocat? Oui. Donc, vous payez les frais d'avocat si vous avez un litige ici. Les dossiers sont bien ficelés quand même. Présentation de pièces. Oui, tout à fait. Et vous avez l'assurance handicap, là aussi. Ils sont avec vous, ils seront là, et vous avez l'assurance décès que nous avons vu. Alors, c'est un petit récap de ce que nous avons vu brièvement. Et je ne sais pas si on avait tout noté, mais non, ça c'était pour machin. J'avais une question encore pour l'AMAE, mais bon, on sait que l'assurance scolaire c'était bon, ça existe depuis 1968. Le cartable, alors, vous ne voulez pas en parler, mais j'aurais tellement aimé vous entendre sur, en tant que directrice d'école, sur des conseils que vous pourriez prodiguer aux parents par rapport au matériel scolaire, par rapport au cartable, par rapport à tout cela. Juste en qualité de directrice, quand les parents, effectivement, vont faire les achats, il est primordial de chercher du matériel pratique. Parce que souvent, on veut ce qui est beau. Non, il faut chercher du matériel pratique pour les enfants. Donc, les règles incassables, enfin, les petits plus qui ne vont pas le gêner en classe. Ils emmènent la règle en fer. Oui, et ça, non. Et tous les 5 minutes, je crois que voilà, donc non. Donc, on va éviter. Et voilà, le matériel, incassable. Voilà. Le cartable, et puis aussi, on se plaint que l'enfant a un cartable trop lourd, mais il faut aussi que le parent regarde la solidité du cartable et avec les anses bien larges pour que ça tienne bien le dos. Vous avez débuté la vie, vous qui n'avez pas d'être, mais l'enfant est petit comme ça. Mais oui, tout à fait. Très machin. Et il y a aussi une matière que même si le cartable est mouillé, eh bien ça ne mouille pas les livres. Voilà, imperméable. C'est imperméable. Est-ce que chez vous, on donne les livres aux enfants? Dans mon établissement, oui, la mairie prête les manuels aux élèves. Oui, on a des manuels sur 4 ans, donc chaque année, on les prête aux élèves. Aux élèves, c'est ça. Vous travaillez avec des manuels, pas avec des livres, pas avec des ouvrages. Les livres, oui, c'est ça, les livres. Ah, vous appelez ça manuel? Oui, manuel scolaire. Eh bien, il va falloir... Les livres scolaires. Eh bien, il va falloir que je change ma façon de dire. Ce sont des manuels. Oui, la mairie nous donne les livres. C'est ça, quand on a des professionnels, on a les bonnes formules. C'est déjà ça, les parents n'ont pas donc à investir dans les livres. Il ne leur reste que les cahiers, les petites fournitures à acheter, mais les romans, bien sûr. Ils peuvent quand même, ils peuvent quand même aller dépenser un petit peu d'argent de ce petit pécule qu'on leur donne à la rentrée scolaire. Ça s'appelle l'allocation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire. De rentrée scolaire. Moi, j'ai pas eu droit à ça. Il va falloir que je demande un rappel. Oui, parce que c'est ça. Que je demande un rappel. Nos pays sont doublés de l'héberge. Donc, vous proposez la formule pour 4. Alors, je n'ai pas vu ce que c'était, mais j'ai vu. Non, ça doit être 4 formules. Oui. Et est-ce que ces 4 formules faisaient partie de ce que nous avons vu ensemble? Alors, nous avons la scolaire et la scolaire plus, qui sont des assurances scolaires. Donc, d'accord, sur le trajet et à l'école. Tout ce qui concerne les activités scolaires. Et bien, on a tout vu alors. Est-ce que vous prenez aujourd'hui, vous recrutez, parce qu'avec cette période de crise, je demande à tout professionnel, est-ce qu'éventuellement vous recrutiez, vous recruteriez en cette période-là? Non, malheureusement.
malheureusement. À la MAE. Voilà, à la MAE, non. Par rapport au fait que beaucoup de jeunes ont quitté l'école et sont là, ils n'ont pas pu partir, ou alors ne pourront peut-être pas partir, ils n'ont pas cherché du travail. Donc, si vous avez de quoi proposer, malgré cette période-là, parce que c'est en distanciel et en présentiel, donc si vous avez fait cette semaine de travail, vous êtes en distanciel, faites-le moi savoir, et moi, je transmettrai à ceux qui m'en ont parlé. Nous arrivons au thème de notre émission. Est-ce que vous avez préparé une petite conclusion? Vous n'avez pas encore préparé ça? Je vous laisse. Alors, je compte jusqu'à 10. Vous préparez votre conclusion. Je compte dans ma tête et à vous. Je vais donc vous donner rendez-vous pour une prochaine émission. La prochaine personne que nous aurons sera une personne qui viendra nous parler de cette affaire-là, de savoir que si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas rentrer. Vous êtes en congé sans solde, carrément. Et est-ce que la loi l'autorise? Est-ce que nous devons tout accepter? Est-ce que nous devons toujours tout refuser? Ou est-ce que nous devons toujours être en contradiction à ce qu'on nous dit? Bref, avec un professionnel qui sera là la semaine prochaine, nous en parlerons. Par contre, demain, nous serons avec la représentante de la ville de Pointe-à-Pitre. Tout est déjà dit dans cette émission-là. Nous allons prendre la conclusion de notre invitée, Madame Thalys Martine. Bien, ben, je dirais que la MAE est là pour accompagner les familles, donc dès la naissance jusqu'à pas d'âge. Donc, j'encourage les familles à faire l'acquisition d'une assurance, surtout que pour la troisième année consécutive, nous n'avons pas augmenté nos tarifs. On maintient le pouvoir d'achat. On pense aux familles qui ont déjà beaucoup de dépenses. Très bien. Alors, 0590-83-40-46-MAE.fr. Et la présidente de la MAE, correspondante régionale de l'ESPER pour les enseignants. Si vous n'étiez pas au courant, mais sachez-le, même si vous n'avez pas les updates, ça pas contacter, mais sachez que vous pouvez. Et elle est aussi vice-présidente de l'ASL 97E. Elle est à Combiré, si vous voulez la voir. Le monde de Combiré n'a pas besoin de très très fort. Monde Saint-François, pile fois c'est l'amour, vous êtes tout le monde voit d'ailleurs. Mais vous avez une représentante ici, on profite. On n'est pas lèche popotin, c'est juste parce que bon, il faut vous adresser de sincères salutations à ceux qui nous écoutent de là-bas. Nous allons donc vous laisser pour mieux vous retrouver demain dans une autre émission. Raphaël est là, n'est-ce pas, sur ETV et aussi sur Alizé Télévision sur etv.gp. Nous allons saluer notre caméraman, technicien, cadreur en chef, c'est qui a géré toute la couleur, Monsieur Murphy. Nous partons sur la pointe des pieds. Merci d'être venu. Merci à vous. Et puis, saluez tout le monde pour nous et nous embrassons de concert Monsieur Joël Razin qui passe à qui vous êtes avec nous. Oui, tout merci à fait. Merci beaucoup. Allez, à demain.